Bonjour, bonjour. Connectez-vous. J'ai deux, trois petits témoignages que je voudrais partager avec vous. Vous savez que sur la page aussi, je milite beaucoup pour l'entretien ou encore la préservation de sa chance. Malheureusement, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit. Et c'est ce qui vous handicape. J'ai une jeune fille ici, elle est encore là dans la salle d'attente. Elle est venue ici faire son lavage, ça fait 2 semaines. Je crois bien 2 semaines. Quand elle est venue ici, elle me disait, à ce moment-là, elle me dit, elle est dans la vingtaine. Tu vois déjà des filles que quand tu la vois d'abord là, grande de taille et forme, le teint choco. Et quand tu la vois, tu veux seulement lui donner l'argent. Donc tu sens que l'étoile de la femme si est forte. Mais elle te dit, voilà maman, même mes enfants, j'ai fait mes enfants, les deux pères avec lesquels j'ai fait mes enfants là, ils me cherchaient même avant pour donner l'argent. Ils ne donnent plus rien. Donc comme tu vois là, je suis à terre. Et en venant faire son lavage pour elle, c'était un peu comme le dernier recours. Genre, ok, j'ai cotisé l'argent au quartier pour venir faire ça. Si ça ne marche pas, je ne sais même pas ce qu'elle veut faire. 2 semaines plus tard, elle revient. Premièrement, elle vient, elle a la voiture. 2 semaines plus tard, 2 semaines. 2 semaines. Elle a la voiture. Je dis, ok. Et je crois 5 jours, elle sera 5 jours. Entre 2 semaines là et aujourd'hui, elle était venue à chercher encore d'autres produits. Quand elle est venue, elle avait remarqué que sa lace wig avait changé. La première fois qu'elle la lavait, elle n'avait même pas la lace wig. Tout ce qu'elle avait mis, la lace wig, les frontales, lace wig là, et tout ça là. Et elle avait fait ses ongles. Elle revient aujourd'hui, voilà la voiture. Et là, elle me dit, on a eu le temps de parler un peu. Elle me dit, tu sais, elle voit une femme vient lui dire que tu crois que tu vas seulement briller seul dans le quartier ici. Tu crois que tu vas rester ici là. Et elle se réveille le matin là. Elle voit la femme là vient avec le même habit qu'elle était dans son rêve. Elle arrive à un endroit, il y avait ses amis qui étaient en train de parler. Quand elle arrive, elle dit que c'est quand elle est arrivée qu'on lui a dit que en fait, on était ici, on parlait de toi, on mal parlait de toi. Et quand tu arrives, on dit, ah, tata, tu es venue. Et quand il m'a parlé, il disait que voilà, elle est finie, non. Elle est finie. Elle est finie. En disant qu'elle est finie, on s'est égale la voiture. Bien, ils sont. Vous voyez un peu une bière là, non? Vous voyez une bière, non? Elle donne, ils prennent. C'est ça le problème avec ces malheureux là. Elle m'a dit qu'il y a aussi sa mère a vu son père en rêve. Enfin, son père est mort. Et son père est venu dire que le lavage que vous avez fait là, que non, l'endroit où tu es parti là, c'est bien. Tous ces dragueurs, écoutez, une femme est censée avoir beaucoup de dragueurs riches. Tous ces dragueurs, telle personne qui est à l'étranger, oh, je vais t'envoyer le billet d'avion, tu vas venir, on l'avait oublié. Telle personne, oh, je vais t'envoyer, oublié. Même le dragueur qui est là, oublié. Tu écris le message, c'est elle qui me disait que WhatsApp dit lu et ignoré. Donc, tu vois, WhatsApp dit souvent que lu. Donc, elle dit que quand elle envoie les messages, on faisait lu et ignoré. Et ce tour-ci-là, je sentais comment son esprit est revenu. Écoutez, écoutez, il y en a parmi vous que vous êtes censé construire l'immeuble, refaire la maison de votre famille à 22 ans. Écoutez-moi bien. Comme on dit, ah là, tu vas construire la maison de la grand-mère là, que nous les tantes là, tu nous as laissé où? Donc tu nous laisses. C'est plutôt toi, la petite fille qui vient construire la maison de la grand-mère. On te met les bâtons dans les roues. On te met les bâtons dans les roues.
On te met les bâtons dans les roues. J'ai une nouvelle représentante sur Paris. Parce que je veux traiter avec les gens qui sont gentils, qui sont disponibles. Comprenez, non? Donc, il y a une nouvelle représentante sur Paris. Je mettrai son numéro sera à votre disposition à partir de demain. Donc, je suis en train de faire un remaniement dans tout ce que je fais. Écoutez, mesdames, il y en a parmi vous qui. Tu es belle. Écoute, ma chérie, on est censé te donner l'argent pour ta beauté. Arrêtez les trucs qu'on dit tout que. Il y en a que. Donc, on va te mettre ça. Tu es belle, mamie. On vient seulement te donner. Quelqu'un qui a le masque sur lui va venir vouloir te bloquer. Que non, comme moi, elle ne veut pas avoir, elle ne va pas avoir. Non. Donc, il y en a parmi vous, vous êtes censé construire la maison de votre grand-mère. Donc, la maison, écoutez, la jeune fille qui est dit là, elle est encore là, ici dehors. Je l'ai laissé là-bas, je suis en train de faire le direct dans mon bureau. Elle est encore ici. T'es insulté que tu n'as pas encore vu. Tu vas rester, tu vas tourner sur Cameroun. Elle me dit qu'en 2 semaines, les billets d'avion qu'on a. Oh, mamie, viens ici là. Les gens qui lisaient le message, ils ignoraient. Les voilà qui la recontactent. Que maman, moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ils ne répondaient pas à tes messages. Que je ne sais pas pourquoi. Écoutez, il y a les envoûtements qu'on fait sur toi. Quand quelqu'un pense à toi, il a mal à la tête. Dès qu'il pense que. Annette, Jacqueline. Ah, j'ai mal à la tête là. Quand il arrête de penser à toi, il va bien. Donc on t'a envoûté, on t'a enterré le Jacques. Tu appelles quelqu'un pour demander ton argent. Pas qu'il t'a promis l'argent qu'il va te donner. Non, c'est ton argent que tu lui avais donné. Dès qu'il voit ton numéro, il est fâché. Il est fâché. Il y a les voiles qu'on met sur vous. Et les gens qui ont décidé que. Donc, ils vont partir à l'étendue du monde. Pour s'assurer que toi, on ne te drague pas. Elle me dit qu'hier, elle était au restaurant avec sa copine. Maman, les yeux sur elle. Dans un grand restaurant de la place, il ne faut pas qu'elle dise. Il ne faut pas garder ces choses. Les yeux qui étaient sur elle. Et c'est les restaurants des riches là. Donc, ce n'est pas que les petits-petits qui sont là-dedans. Sa copine qui était avec elle, elle veut dire à sa copine que viens faire ton lavage. Sa copine dit que, oh, yeah, sa copine a lu l'heure. On fait que la regarder, on demande son numéro. Finalement, la copine dit que, yeah, que, mamie, que tu as fait que quoi? Et qu'il te dit, il est parti te laver, non? Écoutez, ne soyez plus simple. Il y en a, vous partez chez d'autres personnes. Je n'aime pas dire que je suis la seule personne qui lave les gens. Commencez à prendre, écoutez. Tant que tu ne te rends pas compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans ma vie. Donc, un an, on ne me drague pas. Un an. Merde. Même en quarantaine, on drague les gens. Comme on dit que tu vas là, le corona, tu es dans ta maison, on drague. Et elle me dit que, avant même pour demander l'argent, tu demandes l'argent à quelqu'un, tu l'appelles, c'est comme si tu le harcelais. Que maintenant, comme je suis là, dès que je demande, dès que je vous la bouche, je vous demande. C'est au moins la moitié ou le tiers qu'on va me donner. Au moins. Donc, si ce n'est tout l'argent que je demande. Pardon, enlevez la machine sur vous. Il y a les gens qui, ils ont décidé qu'on ne va pas vous draguer. Et c'est que vous aimez tout dire que, wow, moi je suis cartésienne. Moi, je crois à la force de ceci. Écoutez. Écoutez, on te voit, on dit, maman, tu ressembles à l'argent. Tu ne vois rien. On dit, maman, l'argent, là est où? Regardez-moi. Ils vous ont bloqué. Que quelqu'un vient dans ton rêve et te dit que tu ne vas rien faire. Le matin, tu vois la personne avec le même habit que tu avais dans le rêve. Moumine, ne t'inquiète pas. Va faire ta publicité sur ta page, tu as compris. Moi, j'ai fait ma propre publicité. C'est même pas moi qui fais ma publicité. Les gens amènent les gens chez moi. Je ne me casse pas. Rosa Nazareth, tu crois que tu es laide que comment? Parce que vous êtes trop simple. Vous êtes trop simple. J'ai un ami, il m'appelle, il me dit, depuis septembre, il a les contrats qu'on a signés avec lui.
il devait travailler en collaboration avec une partie du port. Septembre, on est en février. Il dit que ce matin, on a dit qu'il y a encore un contrat qui est perdu. Il dit que ton problème, c'est que je suis ton ami, donc tu crois que ta femme et toi, là, vous deux là, venez, vous lave. On signe le contrat, tout va bien, on a viré l'argent. Mais l'argent est en suspens. Il y a les gens qui sont allés travailler sur vous. Ouais, Seigneur, Seigneur, ouvre leurs yeux. Cherchez aussi vos choses, non? Tu es là comme ça, tu étais avant, tu étais directeur de ceci, directrice de ça. Tu avais 4 voitures dans ton parking. Aujourd'hui, te voilà. Te voilà. Tu passes de maison en maison. Quand ton frère veut qu'il te donne 5 000, ça ne te dit rien. Arrêtez d'être simplon, simpleton. Tu ouvres même ton business à l'inauguration là. Il y a des choses que tu dois verser là-bas pour qu'on ne vienne pas faire n'importe quoi chez toi. Oui, mes tricots sont en vente. Moi, je vends les habits. Je fais d'en dessous, vous savez. Je vends. Je vends. Voilà ça. Vous voyez, non, je vends. Ok. Ok, ils ont dit que comme tu arrives, tu es allé en Bénin, non. Tu es allé en Europe, non. Tu vas rester là-bas 10 ans sans papier. Même passer sur le pays, tu ne vas pas passer. Te voilà là-bas. Chaque jour, on te demande un nouveau papier pour donner ton visa. Ou c'est pour te donner ton séjour. Attendez, je passais seulement. Hein. Je passais seulement. Merci pour les réponses, le roi Wafo. C'est qu'il y a beaucoup de simpletons ici là. Le jour où tu inaugures ton magasin là, c'est le jour là que tu vas confirmer. James Wolf, ne t'inquiète pas, il vient de rentrer. J'ai maintenant que le blanc blanc chez moi. Je suis blanc blanc. Quand il va travailler, porte le blanc blanc. Oui. Mais tu es simple. Tu es là, ta vie n'avance pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu es aussi là seulement comme ça. Chaque matin, tu te lèves, tu fais la même chose que chaque jour. Tu restes en bain, non? Tu as déjà accueilli dans ta maison 4 personnes. Ils sont partis avoir leur papier, non? Toi, tu es encore là, tu n'as même pas un guide, même un an, tu n'as pas. Jesus. Jesus, lève-toi. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. N'est-ce pas? Tu as commencé 50 business, ça tourne comme ça là. Comme ça. Comme ça. En un mois, on vient, on prend ta voiture. Tu perds ton boulot. Ton gars part. C'est, ma chérie. Ce n'est pas Dieu qui t'a tapé, qui t'a frappé. Hein. Ce n'est pas Dieu. South Africa, on poste. On poste. Oui, on fait le lavage à distance. Jeudi, je fais ça jeudi matin et le lundi matin. Le lavage à distance. J'ai lavé l'autre, j'étais en train de faire son lavage à distance. 15 minutes plus tard, elle m'appelle, elle me dit qu'elle a sa nationalité. Et que c'est ça qui bloquait pour qu'elle ne sorte pas de la maison de l'homme là qui la dérange. J'ai d'abord envoyé les produits, elle a reçu, prié. Et mon corps pesait trop pour faire son lavage. Je l'appelle, elle dit que mamie, j'ai forcé, je suis en train de faire ton lavage, je suis là en train de faire. Elle dit que maman, on m'a appelé pour ma nationalité, je ne sais pas. Oui, bon, seulement me dit que quoi. Je lui dis que ma chérie, je suis en train de faire ton lavage, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mm-hmm. 15 minutes, elle appelle Chris Amote. Oh, on m'a donné ma nationalité, enfin. Il veut partir de la maison de l'homme-ci. Hey! Pardon. Arrêtez de dormir. Tout, c'est l'action.
Tu n'agis pas, il y a quelqu'un qui est parti agir sur toi. Il y a quelqu'un, quelque part, qui allait agir sur toi. Allez sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom de Give Digger Academy. Oui, demain matin pour le lavage, oui, le rendez-vous. Donc je vais vous mettre les numéros parce que j'ai 5 de maintenant. Numéro de consultation, lavage, numéro des colis. Parce qu'on fait n'importe comment. J'ai même trois personnes qui travaillent avec moi.